Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah est un communiste révolutionnaire libanais qui a été condamné à perpétuité dans les années en 87 pour complicité dans des actes de résistance, à savoir l'exécution d'un membre du Mossad pour raccourcir d'un membre du Mossad et d'un membre de la CIA. Il est rentré dans sa 34e année de détention. Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est un jeune franco-palestinien qui est de Jérusalem Est et qui a été de nouveau arrêté par les Israéliens et qui est détenu administrativement, c'est-à-dire que il n'y a pas de procès. Il peut être enfermé indéfiniment pour 6 mois renouvelables. Donc Ahed Tamimi a pris 8 mois de prison pour avoir giflé un soldat. Et le soldat israélien Elor Azaria, à Hébron, a assassiné un Palestinien au sol, désarmé. Et il a été condamné à 10 mois de prison, il en a fait 8. C'est tout. Razan Najjar. Une jeune infirmière palestinienne qui a été tuée. Récemment ? Oui, la semaine dernière. Elle n'était pas armée, elle avait juste les mains en l'air, sans armes, et on lui a vraisemblablement tiré dessus délibérément. Vous avez un t-shirt qui a marqué criminel de guerre. Oui. C'est quoi un crime de guerre ? C'est ce qu'il fait, Netanyahou et son armée, aujourd'hui à Gaza. Assassiner des enfants, voilà. Assassiner des civils, non armés. Et ça s'appelle un crime de guerre, monsieur. Et c'est absolument, surtout l'urgentiste Razan qui vient d'être assassiné dans le dos. Et le soldat américain juif qui l'a assassiné, qui a tiré dans son dos, est fier et il se montre dans son page des réseaux sociaux, je ne sais plus lequel, il se montre fier de ce qu'il a commis. Et parce qu'ils sont malheureusement au-dessus de droit international, des lois qui s'appliquent à tous les pays du monde, sauf Israël et l'Amérique, bien sûr. Vous donnez un nom d'une personne qui est victime des crimes de guerre israéliens. Des crimes de guerre, alors. Il y en a tellement aussi. Là. Désolé.